La face cachée de « Il était un petit navire ». Tu connais ce refrain ? Bah, désolé, mais tes parents t'ont sûrement bercé avec une comptine qui parle de cannibalisme. Je t'explique. L'histoire parle d'un équipage de matelots qui part en mer Méditerranée pour un long voyage. Mais, au bout de quelques semaines, ils n'ont plus rien pour se nourrir. Tu sens la patate venir ? L'équipage décide, en tirant à la courte paille, de qui va finir en tacos 3 viandes dans l'assiette, et pas de bol, ça tombe sur le plus jeune matelot. Coup de bol, le jeune matelot se met à prier la Vierge Marie et miracle, des milliers de poissons s'offrent à eux. Donc là, tu te dis, ça va, il a esquivé. Oui, sauf que son passé ressemble beaucoup à une histoire vraie qui finit bien plus mal. En 1821, Owen Coffin, un jeune marin américain, est victime d'un naufrage dans le Pacifique. Tu connais la chanson, pour survivre, son équipage et lui tirent à la courte paille. Owen est désigné, il se fait abattre puis manger par ses compagnons. Alors, ça fait quoi de se dire que t'as chantonné une histoire de cannibale toute ton enfance ?